crois qu'il est un peu mort. Hein. Je n'ai bien sûr pas pu le tuer. Et tant que je serai vivant et que mon cœur battra, je le protégerai. Khan dit qu'il pourra nous servir à stopper la guerre. Oui, il peut provoquer des miracles. Mais je ne veux pas me servir de lui. Sa guerre a pris fin lorsque j'ai lancé des missiles sur sa maison. Sur sa famille. Ça va être chaud d'éviter les rouges en restant à côté de chez eux. Ok, il y a une crâne. Au-dessus. Noir. Au-dessus. C'est bien. Ici. Lumière. Tout autour. En bas. C'est dur. Respirer. Difficile. Ok. Me laisser partir. Tu changes. Oh. Je serai là, dans la lumière. Mais je resterai près de toi. Ouais, 5 minutes. Je sais qu'il reste encore un colosse que je dois abattre, ça c'est sûr. Parce que je l'ai vu dans les trailers. Il est à l'extérieur. Il a vraiment décidé de me faire chier. Hein. Faut mieux éviter les goûts radioactifs. Hein. Oh, y'a quoi toi sérieux? Deux cartouches chacun. Je vais t'aider à voir. On peut faire ça, c'est de la balle. C'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique, je dirais l'autre. Je comprends bien ce que tu vois. Ils te craignent. Je suis fatigué. Mais il y aurait... Oh putain, je vois toutes les terminaisons nerveuses. Oh la vache. Et en plus, plus d'embuscade comme ça. Ça serait vachement simple de survivre, du coup. Enfin, vachement simple. Quand même pas, mais bon. Les voir dans la nuit. Toi et les autres, vous êtes forts. Tu peux tuer n'importe qui. Ouais, j'ai un fusil à pompe en même temps. Je viendrai avec toi. Tu connais une chose. J'en ai besoin. Comprends pas encore. Quelque chose d'important. L'eau commence à dégeler, c'est le printemps. Ouais. C'est peut-être ça le problème aussi. Toi c'est un truc dans l'eau qui veut me tuer. Vous savez bien ce que je veux dire. C'est que t'en veux encore, espèce de salité. Beaucoup ont faim ici. Tu es leur nourriture. Ah ouais? Bouffez-vous entre vous. Vous avez tous des vêtements. Moi aussi, je veux être comme toi.
Bah, t'as envie de crever la dalle dans le métro, tu sais. C'est quoi? Ah, c'est un démon. Il me disait c'est quoi ce putain de nos Alice mutants là? Là je combats comme une sacrée brêle. Arme. Oh bordel. Tiens, dans ta bouche, sale enfoiré. Alors lui, il a fait un espèce de rebond bizarre. Ah mais c'est plus beaucoup de temps. Ouais, bouffez-le, je m'en fous. Je vais juste changer de fil par contre. Par contre, le système de filtre a un peu changé. J'ai envie de dire, ça tue un peu le réalisme du 2033, mais c'est mieux parce que sérieux, c'était chiant de se retrouver avec 10 000 filtres quasiment vides. Emmerdé par des rôdeurs, j'ai remarqué. Enfin, je remarque maintenant. Des filtres partout. Pourquoi je sens que... Distribution de cartouches. Alors déjà, j'en ai marre de ces embuscades à dessous. De 1 et de 2, pourquoi je sens que le boss méga chiant il est dans ce level. Le géant. C'est le genre de truc que je déteste. Je sais qu'il y a un boss qui a l'air ultra hard, ultra chiant. Il faudra qu'il y a tout pour que je refasse jamais le level et je sens qu'il est dans ce level là. Remarque, je sais que de toute façon ça va arriver. Hein. Je vais pas y couper, donc autant que ça soit maintenant. Des démons. Ça fait qu'il slip. On a l'air d'être parti. Regarde, je suis comme toi, avec des vêtements. Il a piqué des vêtements sur des mecs morts. Le problème, c'est pas qu'il les piqué sur des morts. C'est qu'il devait tout déchiqueter. Ça a été bouffé par les bestioles et les nosaïs. On va parler bestioles du goût. Donc par bestioles j'entends les petites merdes là. Oh génial. Je suis dans un train suspension au-dessus du vide et il y a un démon. Les radiations. La glace. Attention.
Des crevettes. Des démons. Je suis mort. Un arnium mais pas tellement mort. Maintenant carrément. Peu nombreux.